les enfants de mon école arrivaient à la Zunerie pour une semaine de classerte. Ah tiens, bonjour les enfants. Bonjour. Comment allez-vous? Voilà. Bienvenue à la Zunerie de l'eau à Bellavieille. Vous allez être sage toute la semaine? Oui. Si vous êtes sage toute cette semaine, vous irez faire une grande balade à Dodane. Ouais. Et pendant toute la semaine, les enfants jouent dans la nature. Et ils apprennent à s'occuper des ânes. Eh bien, les enfants, vous avez bien brossé les ânes toute la semaine. Oui. Alors, vous allez aller en balade. Ouais. Le vendredi, les enfants se promènent toute la matinée. Ce n'est pas facile, car il y a beaucoup de vent. Ça fait tout ça. Aïe, aïe, aïe. Sans leur carte, les enfants se sont perdus. On est perdus, on est fatigués. Ils ne retrouvent la Zunerie que le soir venu. Ils ont mal aux pieds et ils sont fâchés sur le vent. Le lendemain, les enfants retournent jouer. Mais le cerf-volant ne vole plus, car il n'y a plus de vent. La nuit tombe. Mais il n'y a plus d'excité, sinon dis je tout. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande si les enfants n'ont pas fait une bêtise. Et les enfants, un peu embêtés, racontent leur histoire à Daniel. Eh bien, les enfants, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de vent. Moi, j'ai besoin du vent pour faire tourner mon éolienne. Sinon, je n'ai pas d'électricité. Alors, vous allez faire râper tout de suite avec le vent. Promis? Allez, hop, on y va. Les enfants passent le dernier jour de leur classe verte à jouer avec leur nouvel ami, le vent. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.